Je rappelle que ce que je fais, c'est un travail à temps plein, pour lequel je suis rémunérée conformément aux règles. Interrogé par RTL jeudi 17 janvier, le défenseur des droits, Jacques Toubon, ne comprend pas que son niveau de revenu puisse choquer. Selon le Canard enchaîné, qui s'est penché sur les rémunérations des présidents d'autorités indépendantes, Jacques Toubon toucherait, outre son salaire de 15 725 euros, une retraite de fonctionnaire d'État et une triple retraite d'élite, pour un total qui pourrait avoisiner les 30 000 euros. Âgé de 77 ans, Jacques Toubon est un haut fonctionnaire diplômé de l'ENA qui a occupé de multiples fonctions politiques, ministre, député, député européen, conseiller de Paris. Je touche un salaire qui est inscrit dans le budget, qui a été fixé en 2011 quand le défenseur des droits a été créé, et d'autre part depuis 2006 je touche, ce qui correspond à 44 ans de service de l'État, une pension de fonctionnaire, une pension de parlementaire et une fonction de conseiller de Paris pendant 25 ans, et je continue à les toucher, affirme-t-il. Le Canard enchaîné relève que, comme Jacques Toubon, 8 présidents d'autorités administratives indépendantes cumulent leur salaire avec une des pensions de retraite, tandis que 2 ont choisi de ne pas toucher leur pension de retraite pendant la durée de leur fonction.